السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لي زابوني تبعي كامل واللي رام يتبعوا فيها كامل، سواء كانوا دي كوليغ أو بيان دي بارون دي لاف، نقول لكم صحة رمضانكم، إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركات إن شاء الله يا ربي. كوم فو سافي توس كو لاني سكولير تيغ أسافا، c'est bon, l'année scolaire me prêche bzef. C'est pour cela on doit préparer nos enfants pour l'examen de fin de cycle primaire. Pour cette occasion, j'ai organisé des séances de révision de toutes les leçons de 5e année primaire, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire à partir du projet 1 jusqu'au projet 3. Alors, je vais commencer aujourd'hui par la première partie du résumé et le résumé des leçons du projet 1. Donc suivez avec moi la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas de laisser des j'aime et des commentaires. C'est parti. Alors, on va entamer le projet 1 au zoo. On commence par la séquence 1, pauvre petite gazelle, puis on va à la séquence 2, c'est un vrai fennec. Au zoo, les enfants sont dans le parc des animaux. Derrière les barreaux, il y a 4 jolies gazelles. Elles ont des cornes et 4 jolies pattes. La petite gazelle ne bouge pas parce qu'elle est blessée. La vétérinaire est à côté d'elle pour la soigner. Le vétérinaire est le médecin des animaux. Les adjectifs numéraux cardinaux. Les adjectifs numéraux cardinaux sont ceux qui indiquent le nombre cardinaux ou l'ordre des objets qu'on parle. Ils indiquent la quantité comme 1, 2, 3, etc. Les adjectifs cardinaux sont invariables, sauf 1 devient 1 au féminin, 100 et 20 en fin du nombre. Le sujet désigne la personne, l'objet ou l'animal qui fait l'action décrite par le verbe. Le sujet peut être un mot ou un groupe de mots. Exemple, le sujet est un animal. La gazelle boit l'eau du ruisseau. Boit, c'est le verbe boire. Et l'animal qui fait l'action de boire, c'est la gazelle. Donc la gazelle, c'est le sujet du verbe. Exemple, où le sujet est une personne. Bouzid est le gardien du zoo. Bouzid, c'est le sujet du verbe. C'est un nom propre. Le gardien adore les animaux. Le gardien, c'est le sujet du verbe. Ce sujet se compose d'un déterminant le plus le nom gardien. Il nourrit le perroquet. Le sujet ici, c'est le pronom personnel il. Le verbe de la phrase. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Exemple d'action. Au zoo, le singe grimpe sur les branches d'arbres. Grimpe, c'est le verbe grimper. Il exprime l'action de grimper. La gazelle se nourrit de feuilles d'arbres. Se nourrit, c'est le verbe se nourrir. Il exprime l'action de se nourrir ou bien l'action de manger. Exemple d'un verbe d'état. La gazelle est une bête fragile. Et c'est un verbe d'état. Elle exprime l'état de la gazelle. Et toujours avec la conjugaison, et on passe au verbe pronominal. Le verbe pronominal est précédé de la particule « se ». Se réveiller, s'appeler, se nourrir. Pour conjuguer un verbe pronominal, nous devons ajouter les particules suivantes. Je me, tu te, il avec s, elle avec s, se, nous, vous, vous. La phrase affirmative et la phrase négative. Une phrase peut être la forme affirmative lorsqu'on veut exprimer que quelque chose est vrai ou exprimer son accord. Une phrase peut être également à la forme négative lorsqu'on veut exprimer le contraire, nier ou lorsqu'on n'est pas d'accord.
c'est-à-dire une phrase affirmative est utilisée pour dire oui, une phrase négative est utilisée pour dire non. Pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, il suffit d'ajouter deux petits mots. Ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. Exemple, c'est un grand parc. Les élèves ne peuvent pas terminer la visite. Depuis qu'il s'est cassé le bras, il ne porte jamais des objets lourds. Et toujours avec la grammaire, et on passe au complément d'objet direct, le COD. Bouzid nettoie les cages. Le sujet, c'est Bouzid. Nettoie, c'est un verbe transitif direct. Les cages, c'est le complément d'objet direct ou bien le COD. Pour trouver le COD, on pose la question quoi. Bouzid nettoie quoi? Bouzid nettoie les cages. Le féminin des noms. Les noms peuvent être féminins ou masculins. Pour écrire les noms au féminin, il suffit d'ajouter tout simplement le E à la fin de ces noms. Exemple, un voisin, une voisine. Un ami, une amie. Attention, un vétérinaire, on dit une vétérinaire. On n'ajoute pas E à la fin parce qu'il y a déjà E. Le devient la, un devient une. Et toujours avec l'orthographe, et on passe à l'accord des adjectifs de couleur. Comme tous les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec leur nom. Exemple, les élèves trouvent le flamant rose de l'ours brun. Le perroquet a une tête verte et quelques plumes blanches et bleues. Il a aussi un bec noir. La girafe a le ventre blanc et la queue noire. Et finalement, mes collègues, on passe à la production écrite. À la fin de la séquence 1 du projet 1, l'élève doit décrire un animal du désert. Par exemple, un dromadaire, un lézard, un serpent, la gazelle du désert, le chat du désert, etc. Et voilà, mes abonnés, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Quelques productions écrites de quelques animaux du désert. Inch'Allah, on se retrouve dans une vidéo de la révision. Au revoir.